bienvenue à toi. Je voudrais continuer à te présenter mon tarot Pensbect avec cette fois à retenir des mots-clés que j'ai en fait trouvés dans les livres sur internet et ceux qui étaient les plus souvent présentés, les plus communément admis. Et sur cette base-là, je dirais somme toute neutre, commune, tu peux déjà comprendre un petit peu mieux à décoder les 22 arcanes majeures. Voyons ça. Alors, précédemment, je t'ai déjà présenté dans mon tarot Pensbect ce qui était important au départ pour ceux de sensibiliser, c'était une maxime d'entrée pour cerner un petit peu l'énergie d'un arcane parmi ceux qui sont à côté, avant et après lui, et puis dans l'ensemble des 22 arcanes aussi, savoir quelle était sa place sur cet ensemble. Et il y avait aussi l'intérêt de pouvoir, par exemple, comprendre l'arcane sous la forme de deux verbes, puisqu'un verbe, c'est une dynamique d'action, d'activité, de mise en situation, et de pouvoir avoir un verbe qui va être, je dirais, la dynamique positive ou porteuse, et puis un verbe qui va être plus dans une dynamique de vigilance et puis de bémol, d'avoir ainsi une latitude du champ de signification de l'arcane avec deux verbes simplement, ça te mettait le pied à l'étrier, je vais y arriver. Et ensuite de pouvoir décortiquer aussi différentes thématiques, pouvoir voir à peu près dans quel champ de conscience se situe l'arcane, là où il est le plus efficace, de quoi il va parler, quelle va être sa dynamique, son champ d'action, sa durée de l'action d'ailleurs aussi. Et ici, cette fois, c'est après avoir proposé d'autres vidéos précédemment, là, je voudrais en être là justement sur cette partie de droite, là où moi je mets le verbe à connotation positive au milieu, et tout en bas, le verbe à connotation négative, le petit bémol parfois, là où ça pêche. Et somme toute, d'y associer dans ce visuel trois mots-clés au-dessus, qui sont vraiment les plus courants, souvent ceux que je vois le plus, ou ceux que je ne voyais pas en fait, que j'avais pas déjà indiqué issus du livre de Florence Aymon, Le Tarot de Lydia, pour les quelques mots-clés placés en haut et en bas de l'arcane. Et de ces mots-clés issus d'Internet ou de bouquins, communément admis, je mettais en dessous, en fait, se rapprochant justement entre le verbe positif et le verbe négatif, d'autres mots-clés qui sont plus anecdotiques, ou qui parfois penchent ou tendent vers justement le verbe bémol, pour montrer un petit peu, je dirais, les petites faiblesses, les petits travers de l'arcane. Et ça permet aussi de mettre un peu de rondeur, un petit peu de saveur dans la compréhension de l'arcane, au-delà des mots-clés qui, somme toute, les premiers, ceux qui sont tout en haut, peuvent sembler un petit peu bateaux ou peut-être un petit peu trop généraux. Là, ça permet de se dire, ah tiens, avec des mots-clés un petit peu plus légers ou plus secondaires, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu le champ, de cerner un petit peu la vibration d'ensemble du champ d'action de l'arcane. Alors, le battleur, j'ai noté diplomatie, persuasion, indépendance. Et ensuite, astuce, comédie, mensonge. La papesse,
charité, compréhension, concentration. Et ensuite, étude, gestation, réserve. Avec l'impératrice, créativité, dialogue, perspicacité. Et ensuite, science, fertilité, exigence. Avec l'empereur, pouvoir, volonté, pratique. Et ensuite, réalité, certitude, fermeté. Le pape, compassion, tolérance, sérénité. Puis, honnêteté, devoir, croyance. Avec l'amoureux, libre arbitre, sentiment, dilemme. Ensuite, hésitation, épreuve, confusion. Avec le chariot, mérite, succès, enthousiasme. Et ensuite, conduite, poursuite, prétention. Avec justice, équité, régularité, méthode. Et ensuite, cohérence, discipline, gravité. Avec l'ermite, prudence, réflexion, autodérision. Et ensuite, soin, recul, misanthropie. Roue de fortune, aubaine, opportunité, changement. Et ensuite, roulement, au hasard, instabilité. Avec la force, énergie, maîtrise, courage. Et ensuite, effort, désir, acharnement. Le pendu, idéalisme, altruisme, dépassement. Et ensuite, attache, expiation, regret. L'arcane son nom, libération, nettoyage, transformation. Et ensuite, séparation, empêchement, deuil. Avec tempérance, modération, adoucissement, persévérance. Et ensuite, guérison, transaction, tiédeur. Avec le diable, instinct, fascination, plaisir. Et ensuite, facilité, orgueil, perversion. Avec la maison Dieu, avertissement, risque, expulsion. Et ensuite, désordre, difficulté, accident. Avec étoile, espérance, inspiration, beauté. Et ensuite, paix, douceur, innocence. Avec la lune, intérieur, inconscient, apparence. Et ensuite, nostalgie, rêverie, mélancolie. Le soleil, fraternité, harmonie, honneur. Et ensuite, joie, superficialité, aveuglement. Le jugement, résultat, dénouement, renaissance. Et ensuite, inventaire, sentence, opinion. Le monde, couronnement, plénitude, conscience. Et ensuite, ouverture, projection, béatitude. Le mat, impulsivité, inconnu, voyage. Et ensuite, étrangeté, fragilité, infantilisme. Donc voilà les mots-clés que j'avais pu trouver et de les mettre de façon un petit peu graduée pour être dans ce qui est le plus communément admis, ce qui reste somme toute de façon plutôt neutre, qui est ni négative ni positive. Et puis d'aller de plus en plus dans l'anecdotique,
avec pour mettre un petit peu de saveur, de voilà, quelque part un petit peu comme un sourire, un petit peu comme bah voilà, t'es un arcane du tarot, mais t'es pas non plus le dieu du monde. J'allais dire, ça amène une certaine humanité aussi quelque part. Donc ça permet de relativiser, ça permet d'adoucir un petit peu de démystifier et puis d'enlever un petit peu ce poids un petit peu pesant que dans lequel on peut baigner au début de la pratique, de se dire waouh, on est un truc, c'est le mystère secret du langage unique et révélé du tarot initiatique issu de l'antique et venant des Atlantes. Eh bien, ma foi, somme toute, c'est un outil humain. Donc, voilà, un outil d'apprentissage, apprentissage de soi, du rapport aux autres, etc. Et donc, du coup, ces mots-clés, évidemment, toi, tu choisiras les tiens. C'est un exercice auquel je t'invite. Pour déjà pouvoir avoir tes mots à toi, mettre tes mots à toi. Et de comment tu peux comprendre un arcane et quels mots tu mettrais. Quels sont les mots qui, pour toi, sont importants, un petit peu comme un coup de tampon. Paf, le battleur, c'est quoi? Boum. Le battleur, le nom de la carte en elle-même, le battleur, ça nous parle pas trop, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est une profession qui existe encore maintenant? Bon. C'est un petit peu la relique du Moyen-Âge qui se traîne en bas de l'arcane. La papesse, bah, c'est pareil. Bon. Mais toi, si tu mets ton mot-clé, après, sans être trop dans l'affect, ici, là, moi, les mots-clés que je t'ai proposés, c'est uniquement justement parce que ce sont des mots-clés qui sont les plus communément admis, c'est ceux qu'on voit le plus souvent dans les bouquins ou sur Internet, et là, je risque pas de mettre trop d'affectifs. Ce dont je t'avais parlé, là, on est vraiment dans la partie droite, la partie extérieure, je dirais le monde environnement, contemporain, etc. Et ici, dans ce monde plus intérieur, à gauche, où là, c'est des thématiques que moi, j'ai choisies dans ma pratique, au fur et à mesure ben, des années. Évidemment, tu sais que la création de ce pense-bête, il n'est pas venu tout de suite, tout seul, comme ça. Et en particulier pour cette partie de gauche, où, au début, c'est vrai que j'avais mis quelques mots-clés qui m'étaient tout personnels et qui mettaient beaucoup trop d'affectifs. Où là, j'étais plus dans la personnification d'un arcane qui ne représentait plus forcément justement un arcane, un archétype, où j'étais ben, dans la représentation de quelqu'un que je connais. Et donc là, j'étais plus trop dedans. Et si bien que trouver tes mots-clés, c'est bien, mais de pouvoir rester structuré. Parce que je le dis souvent, c'est vrai que si tu veux te lâcher à être dans quelque chose qui est purement intuitif, purement personnel, purement affectif, purement je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, prends plutôt un oracle. Et reprends plutôt un oracle où tu n'auras pas de définition, je le redis, prends plutôt un jeu comme une animo, prends plutôt un jeu comme le Milbord, ou prends peut-être les dominos, voilà, comme moi je fais, pour cette utilisation-là, où tu peux te lâcher. Là, forcément, pour structurer tout ça, tu es obligé de prendre quand même des mots-clés qui correspondent à cette étape, parmi les 22 étapes, trouver les mots les plus justes, les mots qui... que tu mettrais, mais évidemment en tenant compte de la symbolique, de la définition d'un arcane, de façon globale. Et pour ça, je pense à ça, ça peut être sympa aussi. Tu peux prendre un dico des synonymes, par exemple, et de choisir les mots qui te parlent, parce qu'il y a peut-être des mots que tu connais pas forcément, ou des mots qui... Bon, qu'est-ce que c'est que vraiment la compassion, là, avec le pape, ça parle pas forcément. Aubaine, est-ce que ça te parle? Si moi je te dis ça en mots-clés, en numéro 1 de la roue de fortune. Voilà. Donc tout ça, c'est ce jeu de travail qu'il va falloir, en fait, qu'il va falloir. Non, t'es pas obligé du tout, mais c'est un travail utile. Je dirais, c'est bien d'essayer de s'y confronter, de ne pas hésiter à prendre ce temps-là, à ne pas être que dans les tirages, dans les tirages, dans les tirages, de pouvoir voilà, travailler
et comment justement pouvoir travailler. Et donc moi, c'est des petites pistes que je te propose. Et en fait, ce tarot pense-bête correspond à différents petits exercices, somme toute, que l'on peut faire pour apprendre à découvrir les 22 arcanes majeurs. Et ici, c'est un condensé. Et ce condensé, moi, il me sert toujours très bien. Quand je veux faire un tirage, j'ai pas besoin d'aller voir, je sais pas, un bouquin ou etc. Moi, quand j'ai débuté, ça m'était pratique. Alors, tu me diras, ouais, il y a des mots partout, etc. Et bien là, c'est là où, une fois que les jalons sont posés, c'est ta sensibilité, ton intuition qui, elle, est guidée. Tu vas être guidé par la représentation de l'image. Tu vas être sur un ressenti particulier, plus global, plus sur une maxime à méditer, ou un mot-clé décisif, ou peut-être un domaine précis. Et puis voilà, ça ne sera pas un ensemble dans lequel tu vas être noyé. Au contraire, faire jouer l'intuition, c'est être pragmatique, c'est aller cibler là où ton ressenti, ton instinct de survie, je dirais presque, te porte. Et donc, à tous ceux qui me disent « Ouais, c'est du grand n'importe quoi, tu mets des mots partout, c'est pas du tout intuitif, hors de question que moi je fasse ça. » Mais j'impose strictement rien, je témoigne. Et le constat qui a été le mien, c'est que ça m'a été utile, ça m'a été pratique, surtout au début. Et puis, après, moi, ça ne m'a pas choqué dans mon approche d'avoir ces grosses cartes avec une image qui n'est pas trop trop grosse, mais je commence à bien connaître les images. Et d'avoir ce visuel aussi. Ça, j'ai tenu à avoir ça, ce visuel. Une maxime d'entrée en haut, une maxime de sortie en bas. Des mots-clés qui, moi, m'ont porté. Des mots-clés pour les plus... ce qui m'est personnel, des mots-clés qui sont de l'ordre de ce qui est plutôt communément admis, la représentation de l'amour à tel endroit, de l'argent à tel endroit, du travail à tel endroit et de la santé à tel endroit aussi, etc. Visuellement, pour moi, voilà, c'était important pour ce tarot pense-bête. Alors, évidemment, là, j'en ai rajouté un petit peu, mais c'était aussi pour contextualiser tout ça, pour situer ces fameux 6... mots-clés que je voulais te proposer ici, aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Mmh.